Bon, allez. Boule de dash. Alors. Petit mot déjà. Si vous pensez, quand je parle d'un épisode à l'autre et que vous trouvez que mes dires ne veulent absolument rien dire, eh bien c'est que vous êtes dans le vrai, parce qu'en fait mes épisodes ne sont pas faits à la suite comme vous pouvez le croire. En fait, là, rien qu'entre l'épisode 14 et celui-ci, eh bien il s'est déjà passé 4 mois sans que je retouche un épisode, donc non, je ne les fais pas à la suite. Ne vous étonnez pas si ça ne veut absolument rien dire ce que je dis de l'un à l'autre épisode, comme s'il s'agirait d'un odd day. Ce qui est le cas, voilà. Donc vous en faites pas, vous étonnez pas, c'est parce que voilà, ce n'est pas fait à la suite, hein, mais vous en faites pas, vous aurez aussi tous les épisodes. Hein. Apparemment de tous les épisodes. Depuis un petit moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, les épisodes que je sélectionne, les stages, les futurs stages que je devrais faire sont déjà éclairés, comme s'ils s'étaient déjà débloqués. Et c'est vrai en fait, parce que j'ai repris ma première sauvegarde où est-ce que j'avais quasiment tout fait dessus, parce que la première que j'avais faite en votre compagnie, où est-ce que je crée un nouveau slot dans la memory card, il s'est perdu. Donc du coup j'ai repris ma toute première où est-ce que j'avais quasiment tout fait dessus. Et du coup voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez les épisodes déjà faits, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, tous les épisodes seront faits, même s'ils sont déjà débloqués par la suite, c'est pas grave, voilà, ça va pas changer quelque chose. Vous allez me dire, t'as réussi à perdre une donnée de PlayStation 1 sur un système de PS3. Oui, je vous le rappelle, Crash, je l'ai sur PS3. Oui. Donc je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais une chose est sûre, c'est que ça s'est bel et bien passé. Donc voilà. Et puis, tant pis. En parlant de Crash sur PS3, franchement, là, ça me fait vraiment bizarre d'y retoucher, parce que déjà, ça fait 4 mois que j'ai pas retouché, et puis retoucher à une DualShock 3, étant passé à la PS4 avec une DualShock 4, je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Attendez 2 secondes, je teste un truc. Ouais, j'ai beau bouger le joystick dans tous les sens, il ne bouge pas, donc je suis obligé de le faire avec les touches analogiques. C'est super !